Ça fait toujours les affaires d'Isabelle Severini. Voilà, qui tient la corde. Suzanne Arms, la jolie néerlandaise, se prépare. Elle triple brille facilement. Jolie, jolie première diagonale. Loïmi percutait brillamment. Est-ce qu'elle sort elle est sortie. Ouais, si, l'arbitre. Limite, quoi. A levé le drapeau. Un gros orteil, rien de plus. Hein. Hop là, petit déséquilibre encore. Avant. Cette main double rayée. Dommage, c'était un bel exercice, mais une petite sortie praticable, une petite imperfection au moment d'une rotation. Et puis après, petite baisse de morale, dirons-nous, sur la fin de l'exercice. Pas sûr que cela soit suffisant pour passer devant Isabelle Severino. Non, je pense que ça devrait rester derrière. C'était moins net, moins précis. Ça n'a pas soulevé l'enthousiasme non plus. Non, personne n'a branché. C'est vrai que là, le public est un petit peu tétanisé maintenant, sachant qu'Isabelle Severino occupe la tête du classement provisoire de la finale du sol. Voilà, là, on voit les orteils qui passent. Et le règlement, c'est le juge règlement. De ligne l'a bien vu. Ouais. Là, ici, petite faute. Voilà, on revoit les deux petites erreurs qui coûtent hein, au niveau des... Oui. C'est un dixième pour la sortie oui, praticable. Un dixième pour la sortie, ce déséquilibre, ah, elle va rester très logiquement, je pense, derrière Isabelle. Et c'est normal, là aussi encore un grand pas vers l'avant, voilà toutes ces petites imperfections.